Et salut tout le monde, c'est ImagineCraft. Alors j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, même super bien je dirais. Donc on se retrouve pour l'épisode 7 de ImagineCraft. Et ben oui, l'unique ImagineCraft sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu voir au début, j'ai fait une petite intro délire, on va dire que j'ai eu au début, c'est boire. Tout simplement parce que j'ai buvé du Powerade, pour ceux qui s'intéressent, le bleu. Et donc vu que le flocon est bleu, je me suis dit, même si c'est de l'eau et que l'eau c'est pas du Powerade, enfin bref, je me suis dit ça pourrait être marrant de faire ça comme ça. Donc on s'était quitté la dernière fois, en faisant l'entrée, l'entrée, le hall, le sorte de salon et la cuisine, tout en partant sur l'escalier, attaquant et devant attaquant si ça se dit, pouvant attaquer, on va dire, le deuxième étage. Juste avant, pardon, je suis toujours un peu malade, mais ça va. Juste avant, je tiens à préciser alors d'un commentaire de Boutrykianis, alors voilà, donc je dis ton nom, qui est un commentaire intelligent entre guillemets, c'est qu'il m'a proposé de mettre des distributeurs, pardon, avec de la nourriture à l'intérieur, comme pour servir tout simplement. Quand on a faim, ce qui est une bonne idée, je dirais. Donc une bonne idée. Et par contre, je sais, le seul problème, c'est que je sais pas où le mettre. Donc éventuellement, ce serait de le mettre. Je ne sais pas où je peux le mettre. Parce que si j'ai peur que ça fasse trop. Au pire, on le fait là, mais j'ai un peu peur que ça fasse trop. Donc deux distributeurs. Ils sont où déjà les distributeurs? Excusez-moi. Les distributeurs. Je suis bugué ou... Ah putain. Voilà. Un bouton. Et bien sûr... Je sais même pas ce que je cherche. La viande. Alors, plutôt, vous êtes quoi? Plutôt hallouf cuit, plutôt steak haché, enfin steak, plutôt poulet cru, ou plutôt chair putrifiée, ou poisson. Alors, moi, j'aurais une petite préférence pour le bon petit poulet cru, cuit, pardon, ou cru, tout dépend, ou le ping. Oh, du ping peut-être. Ah ouais, le ping, on va prendre du ping. Oh, c'est plus marrant, on va prendre du ping. Donc, non, je rigole, pardon. Est-ce que... Ah... Shit. Putain, mais comment je fais pour... Je sais même pas mettre un distributeur, en fait. Je vous jure. On va mettre un truc qui est assez marrant. Enfin, qui est assez... qui passe. Et... Un bloc de fer. Tiens, j'en ai pas mis. J'en ai pas mis. Donc, est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais! Voilà. Donc, on va mettre beaucoup de ping. On va mettre un peu de tout, allez. Allez, on va mettre un peu de tout. Du ping, du poulet, du steak, des cookies. Tiens, moi j'aime les carottes. Et déjà on va essayer de mettre ça. Donc ça, on remet ça là. Touk touk touk. Et en fait, ça me, ah, ça me tire au pif, c'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Donc oui, bah, on va faire ça. On va rajouter, allez, des pastes. Non, pas du bœuf, des pastiques. On va rajouter, allez, un petit peu. Alors, un petit peu quand même, un peu de tout. Il faut toucher à tous les nutriments. Toutes comment dire, les nutritions possibles nécessaires afin de conserver notre corps au parfait point, parfait détail. Poisson cuit, patate cuite, parce que oui, sans patate j'aime bien. Non, pour ceux qui ont compris, peut-être que sans patate ça dirait quelque chose. Des pommes, il faut des fruits, oui, il faut des fruits. Voilà, pastèque. Non, ça j'ai dit. Ah non, patate. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà, j'ai envie de dire, ou caraï, ben voilà. Enfin voilà, donc très bonne idée, je te remercie infiniment, franchement c'est, voilà, c'est très bonne idée. Je vais quand même garder le frigo pour les, comme déco, je pense. Mais très bonne idée. Merci à toi en tout cas. Si tu regardes la vidéo, merci à toi. Excuse-moi. Donc, maintenant que ça c'est fait, oui, j'ai pensé des... On pourrait peut-être rajouter des torches, mais... on verra. On verra. Donc, ce que je pourrais faire, c'était marquer un petit truc ici. Non, quand même pas. Donc, le lit. Boum. Alors, je serais partant pour les... peut-être pas ça. Ah, quoi que ça, je vais laisser ouvert pour faire une sorte d'entrée. Et tiens, je viens d'avoir une idée. Je viens... Attention. Je viens d'avoir eu une idée. Non, sérieux. Je pense, je suppose avoir une idée intelligente. Mais cela reste juste une supposition qui au final est très conne. Parce que je pensais pouvoir faire un truc... quoi que non. En fait, c'est que faire en sorte que cela retombe. Enfin, une sorte de vue, quoi. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Comme ça, c'est la lumière descend. Mais bon, ça fait, ça rend moche. Donc, non, je laisse ouvert. Vous me direz si je rebouche. Ou... Mais comme ça, au moins, on voit qu'il y a quelque chose à tour. À moins que... Ah putain, c'est où ça? À moins que je rajoute une échelle, à la limite, pour faire style mini grenier. Ouais, j'ai rajouté une échelle. Ouais, ouais, je sens que je pense que je vais faire cela. Donc du coup, je peux boucher ça. Voilà, chercher le mot. Boucher ça, boucher cela. Et peut ainsi donc conquérir le monde en construisant une échelle. Une échelle qui se trouve ici. Here. Donc du coup, ça va rendre probablement et certainement moche. Parce que ce ne sera pas symétrique. Mais je vous emmerde. Non, je rigole, je vous emmerde pas. Quand je dis vous, c'est ceux qui n'aiment pas. Ceux qui n'aimeront pas. Ceux qui aiment, j'ai rien à dire. Je les aime. Oh non! Ne me dis pas! Oh la salope! Je peux pas mettre... Mais non, c'est pas possible. Mais pourquoi là je peux? Et pourquoi là je peux pas? Pourquoi là je peux? Et pourquoi là je peux pas? Putain! Ah, c'est peut-être des escaliers. Ah bah oui, c'est des escaliers, c'est normal. Ah, je suis con. Ah oui, je suis con. Non, franchement, je suis con. Surtout que c'est moi qui ai fait à la maison, donc je suis encore plus con. Du coup, vu que je suis encore plus con, j'ai cassé. Il va falloir que je rebouche. Je vais reboucher les trous. Alors, je connais quelqu'un qui aime bien faire des trous dans Minecraft. Si elle regarde la vidéo, elle va sans doute se reconnaître. Mais donc, je vais reboucher des trous. Alors ça n'a rien de pervers bien sûr, je vous vois venir, on a quelques-uns sur Skype souvent qui me disent oh t'es coquin dans ta vidéo souvent, je cherchais pas, ne vous faites pas d'allusion. Sur ce, ici je mettrais bien un truc assez luminant, petit instant de plaisir, ça aussi ne le prenez pas, c'est juste des mots que je sors, c'est pas des, voilà vous m'avez compris, enfin bref. Du coup, étant beau, musclé et moche quand même, même si j'ai dit beau, je descends comme ça. Ouais, ça... Nerfo, ça peut aller. Dites-moi ce que vous en pensez, ça peut aller. Du coup... Oh l'enculé. C'est lent en plus. Du coup, à la limite, je... À la limite, je me casse pas la tête. Pour faire un truc bien. Propre, caraï, j'ai dit. Tout simplement, je ne fais que un escalier de largeur. Voilà. Comme ça, au moins, je me casserai pas la tête. Et comme ça, tout le monde se raccompagne. Donc. Alors, désolé. Attends, ça fait quand même 10 minutes. Mais bon. Je corrige les petites erreurs que j'aimerais le faire en vidéo parce que j'ai envie que vous participiez et que c'est un peu le principe de la vidéo. Pardon, j'avais plus d'air. Mais voilà, donc... Désolé si je fais ce genre de petits détails, mais bon, c'est... Ne vous en faites pas, la série n'est pas terminée, et il y aura d'autres vidéos. Mais du coup, oui, ça rend mieux comme ça. Ça rend plus au naturel. Et je vais pas passer la nuit, je pense, parce qu'on est, à la maison, protégé. Le grand méchant loup ne viendra pas. Et puis voilà. Donc on va finir ici. En plus, ça changera de toujours faire le jour. Autant pour construire, ok, pour baptiser quelque chose, pour baptiser la vie de quelque chose, ok. Mais il y a de bonnes choses qui se font la nuit aussi. Qu'on baptise la nuit. Enfin, qu'on crée la nuit. Alors là... Alors là, ça, je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Créer des choses la nuit... certaines choses, je laisse, voilà, j'ai pas envie de me faire insulter, je laisse les gens réfléchir à ma place, même si j'ai déjà trop réfléchi. Enfin bref, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas, comme dirait Jal. Voilà, donc j'ai fait, on va attaquer. Alors on a fait le salon, la cuisine. Je vais faire la chambre. Alors une bête de chambre. On pourra faire des galipettes sur le lit, vous allez voir. Même les 4000 abonnés pourront les faire avec moi. Coquinou. Non, je rigole. Mais en quoi que, s'il y en a qui veulent... Mais bon, ce sera peut-être pas moi qui sera avec vous. Mais quelqu'un d'autre. Enfin bref, donc la chambre et la salle de bain et les chiottes peut-être. Alors je pense faire la salle de bain et les chiottes réunies ici. Et la chambre ici. Ou réciproquement l'inverse. Les chiottes et la salle de bain réunies ici. Et la chambre ici. Et ici, un couloir normal, basique. Mais j'aimerais faire de vraies pièces cette fois-ci. Et non ouvert parce que... Et non ouvert, oui, parce que je me verrais mal dormir et en même temps voir la personne chier à côté de moi, en face de moi, et l'autre qui se douche. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me ferait pas très plaisir. Ça ne me ferait pas très plaisir. Donc, je pense que cela est plus judicieux de... de faire des murs, tout simplement. Alors, j'ai envie de faire un truc. Tac. Alors, on va suivre les poutres, je pense. Oui, on va suivre les poutres. Normal. La logique des poutres, comme dirais-je dans les premiers épisodes, si je ne me trompe point. On va suivre ça. Et par contre, comme mur, je ne sais pas quoi mettre. Honnêtement, je ne sais pas quoi mettre. Alors j'ai vu aussi, juste avant de tourner la vidéo, quelqu'un qui avait posté un commentaire il y a... Enfin je l'ai vu qu'il avait posté le commentaire il n'y a pas longtemps. Mais pardon, qui me disait de faire une villa. Que je pourrais faire une villa dans, si je faisais une autre série similaire ou une saison 2. Alors je te réponds si tu regardes la vidéo. Parce que je t'ai pas répondu en commentaire ou je sais plus, peut-être que je t'ai répondu, je ne sais plus. Mais oui, je pourrais... Mais le principe c'est que je prends, enfin c'est que voilà, je fais ce qui me vient à l'esprit. Après c'est sûr, je vais éviter de faire le même style. Après c'est sûr, vous pouvez me donner des styles que je peux faire et là je laisse mon esprit faire. À la limite. Donc s'il y a une saison 2, peut-être que j'essaierai une villa. Je sais pas, je verrai ce que je ferai. De toute façon j'ai fait un choix, je pense. Si les mises à jour en Minecraft permettront de faire ceci. Cela, c'est de faire toutes les saisons dans la même map. Et à la fin, à la limite, à la fin de chaque saison, je pourrais mettre la map en téléchargement si vous le voulez. Mais sinon, c'est mettre la même map. Comme ça, à la fin, si je fais plusieurs saisons, j'en sais rien, on verra. On aura tout simplement une très belle map. Du moins, pour moi. Après... Que puis-je mettre... Ici. Si je mets... Non, pas ça. De la cobble comme ça. Non. Ah. Bon, déjà, j'ai déterminé la porte où elle est. Je vais faire une porte symétrique, je pense, pour ça. 1, 2, 3. Le problème, c'est que moi, je veux... J'ai pas une porte, mais je veux deux portes. Au pire, c'est pas grave. Mais alors si c'est ça, je vais plus faire la porte en profondeur là-bas. Comme ça, ça oblige à s'en venir. Et le lit, ici. Ou en... Non, ici. Ensuite. Donc quand même, à la limite. Et je me suis fail, mais bon, ça c'est comme tout le temps. la limite, voilà, on va faire ça comme ça. Ah oui, mais du coup, ça va faire beaucoup de bois. Non, au pire, je laisse que ça comme ça. C'est pas grave. Mais l'enculé. Là, il veut, mais pas là. Bon. Mais le... Ah, bah voilà. Donc, ici, comment pourrais-je remplir la chose? Alors, ce sera un mur. Au pire, je vais remettre ça. Écoutez. Non, ça fait un peu trop... Il faut qu'il y ait un léger contraste. Je pense que je vais faire du basique. Voilà. Alors, vous allez me dire... Oui, mais ça n'a pas la même couleur que le sol. Mais justement... J'aimerais que c'est pas la même couleur que le sol. Pardon. Parce que je veux garder un contraste tout simplement. Mais bon, d'un côté, je trouve que ça fait relativement moche aussi. Donc on va enlever. Peut-être que là, on va mettre la même couleur que le sol. Au final. Je sais pas. Ah, vous me faites chier. Enfin, quand je dis vous, c'est là le jeu, les blocs là qui me font chier avec les cassés. C'est pas vous. Et puis de toute façon, si c'était vous... Sinon ça va je rigole. Non, non, je pense que je vais garder comme ça. Alors par contre, vu l'extérieur, à mythe, comme ça peut être bien, mais vu l'intérieur, ça peut rendre... Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai une idée. Vous allez voir, elle est merveilleuse, l'idée. Merveilleuse. C'est peut-être une idée que vous aurez jamais... auquel vous n'aurez jamais sondé. Alors, où est-ce que c'est ce putain de... Brique de pierre. Cubal. 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 Brique de pierre. Voilà. J'ai pris tout au pif. Donc on va refaire comme tout, comme ici. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple et plus honnête tout simplement. Et puis voilà. J'ai envie de rester dans la logique. Enfin. Je sais, j'en ai peut-être pas spécialement. Mais c'est pas grave, vous savez. Et à la limite, faire un petit design. Est-ce que si je fais ça... Est-ce que si je fais ça, ça passe? À la limite, je peux faire ça. À la limite. À la rigueur. Oui. Non. 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 Oh, vous pouvez participer quand même. Je rigole. Donc... Ah oui. Bah là, écoutez. J'ai envie de dire... Ah non, je sais ce que je vais faire. Voilà. Et la porte plutôt là, comme ça. Voilà. Voilà, c'est bizarre, mais ça vient de moi. Comme ça, c'est un petit creux pour mettre n'importe quoi. Et puis voilà, donc là, déjà, on va dire... putain, je crois que je rentrais pas. Je vais mettre la porte, les portes, pardon. Donc... C'est là. Pardon. Attends, tu vois ça. Donc, voilà, là, j'ai envie de dire, déjà, ça fait un truc. Alors, si ça se trouve, je me suis fait chier pour rien, mais bon, on verra ça à la fin. Et là, on va faire pareil, mais je pense qu'on va mettre la porte ici pour pas faire trop... trop symétrique aussi, enfin pour pas que ce soit en face spécialement. Donc là par contre, sur le coup, je pense qu'on va faire les chiottes avec ensemble. Quoique... Non, on va faire les chiottes avec la salle de bain. Tiens, ça me fait plaisir de faire ça. Voilà, j'ai envie de mélanger pour qu'on sente bien la puanteur que quand on a un qui chie et l'autre qui se douche. Alors moi, j'ai pas ça chez moi, je vous le rassure. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Mais disons qu'à mon goût, je préfère avoir un truc séparé qu'un truc, voilà, rassemblé. Comme plusieurs personnes, je pense. Du coup, ça reste symétrique, quand même, sans le vouloir. Le pire. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup, ça peut nous... Bah, c'est bien parce que d'un côté, en fait... Ça peut nous permettre à faire exactement pareil, mais de l'autre sens. Donc finalement, c'est bien. Enfin, voilà. Je vois ce que je veux dire. peut-être, pour ceux qui n'ont pas compris, vous verrez ça juste dans 2 minutes. Même pas le temps que je termine correctement la chose. Voilà. Non, toi tu fais pas comme ça. Ah merde. Voilà. Et bien sûr, alors là, par contre... Ouais, voilà. Tu me disais, il y a un truc bizarre. Voilà, donc là, comme ça, vous pouvez voir, c'est vraiment... C'est symétrique, enfin, c'est pareil, mais sous l'autre côté, quoi. Comme ça, on peut rentrer, boum, on est dans la chambre. Et on reste bloqué dans la chambre. Et puis voilà, et là, on est dans la salle de bain. Donc, on va commencer par les trucs les plus dégueulasses, qui est la chambre. Non, je rigole, la salle de bain. Tout simplement parce que... Non, la chambre. Non, la chambre. Ne me dites pas pourquoi la chambre. Donc, là, on va boucher. Eh, mais l'enculé! J'ai réussi à le fermer ici. Oh. Ah, peut-être parce que j'ai commencé du bas. Enfin, bref. Du coup, je prends ce dont j'aurais besoin. Aucun des deux, premier. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours moi. Donc on va pouvoir péter ce motherfucker torche. Alors le lit. On va mettre pas un lit triple ni un lit quadruple, mais un lit double. Voire superposé. Au pire. Non, ça, il va falloir faire 5 shots, sinon ça va être chiant. J'allais dire, on peut faire un dortoir. Mais bon, pour une shot, enfin un toilette, ça va être assez chaud. Oh, j'ai une idée pour la salle de bain. On va faire un jacuzzi. C'est même pas une baignoire. Même pas un jacuzzi. Ça va être ni jacuzzi, ni baignoire. Piscine. On va faire ça, je pense. Ça va être cool. Enfin, donc... moi, je vais prendre un lit. Dommage qu'on ne va pas sauter dedans. Enfin, quand je dis sauter dedans, c'est pas sauter version... sauter comme ça, mais sauter en tant que trampoline. Enfin, voilà. Je sais... Voilà. Du coup... On va mettre ça comme ça. Et c'est pas symétrique. Ah, ça va être chaud de faire un truc symétrique. Au pire, je peux mettre le lit comme ça. Ah, ça va. C'est déjà mieux, ça. C'est déjà mieux. Voilà. Donc, c'est pas un cimetière que je fais un enterrement. Voilà, boum. 2 lits. Ensuite. Si je fais ça. Ah ouais, mais non. Je suis obligé de faire comme ça. C'est pas grave. Ici, je vais mettre ça comme ça. Il me faut des barrières. Alors, barrière noire ou barrière blanche? Enfin, moi, je me comprends. Hein. Barrière en bois ou barrière en brique? Non, en bois. On va faire vraiment une chambre royale. Limite la suite, quoi. En fait, l'étage, ça va être une suite. En fait, j'ai peut-être un peu trop haut. Autant faire ça directement. Donc. Et ouais, je serai comme ça après. Et je sais... Comment je sais après non, ça va être trop... Je partirai sur l'option comme ça, pour laisser un peu ouvert pour la fenêtre, surtout. Faut pas qu'on cache... Il faut pas cacher spécialement la fenêtre. Du moins, c'est pas ce que j'essaie de... C'est pas ce que je recherche. Voilà. 1, 2, 3... Puis voilà. Voilà, donc ça c'est déjà une chose. Le seul truc, c'est que j'aimerais mettre des sortes de guirlandes, mais bon, je peux mettre les feuilles là, comme tout à l'heure. Enfin, comme tout à l'heure. Les lianes, mais bon, ça accroche pas sur la demi-dalle, il me semble. Donc laissons tomber. Mais Mais... Oh, quoique. Non, ça ne peut pas descendre jusque-là. Attendez, je vais faire un test d'un truc, juste vite fait. Par curiosité, je le fais là pour aller vite. Il me faut de la liane, la poudre d'os. Parce que si ça marche, ça peut être intéressant. Alors on s'en fout. Même ça on s'en fout à la limite. Attendez, désolé, je réfléchis à un truc. Parce que si ça marche... Ah putain, trop beau pour être vrai. Trop beau. Sinon ça aurait... ce serait bien si ça pouvait continuer quand même. Mais non, c'est trop beau pour être vrai. Du coup, ben, on laisse tomber. On laisse tomber. Et par contre, ce que je vais faire, je vais rajouter des tapis rouges. Tapis rouges. Non, je rigole. Juste ici. Ah, je vais peut-être faire vraiment une petite entrée là pour aller au lit. Pour le garçon qui ne saurait pas comment faire. Enfin, une petite entrée là, c'est pour vraiment un gros garçon qui aimerait vraiment rouler une pelle. Non, aïe. Non, comme ça en fait, c'est bon. Donc, ça. Alors, ici. Oh, je sais ce que je vais faire ici dans le creux. Et peut-être pareil dans l'autre. Ah non, dans... ah, je sais ce que je vais faire dans l'autre creux. Ça va être ridicule, mais bon, je sais ce que. Si ça marche. Mais ici, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre déjà une grande bibliothèque. Pour couvrir. Et alors j'ai pour habitude moi de faire ça, mais mettre des bibliothèques ici parce que voilà, tu lis à côté de, t'as tes livres à côté de ton lit tout simplement. Allez, on va même faire un truc comme ça. Non, quand même pas. Enfin ça, quitte à mettre jusqu'au bout. Quitte à faire carrément une rangée de bibliothèques. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas classe tout cela? Quand on arrive, boum. Et ça, non, ça fait trop. Quand même pas. Mais ouais, une petite rangée comme ça, de bibliothèque. Avec ici, que pourrais-je mettre? Que pourrais-je mettre? Ah bah... Bah oui, truc pour meuf, garde-robe. Non. Mais comment pourrais-je faire un placard? Non, ah, je peux essayer comme ça. Alors oui, les fenêtres sont plus hautes que les personnages, mais bon. On s'en fout un peu. Alors ça, c'est... voilà. Le but, c'est de faire reproduire le placard pour ranger les trucs. Et à la limite, je vais le mettre là. À la limite. Et ça tombe bien qu'il fasse ça, comme ça je vais pouvoir... Pardon. Ça tombe bien qu'il fait nuit, comme ça je vais pouvoir réaménager... Mince. Ah putain. Réaménager la chose. Là, l'éclairage. Ici, je pense faire une sorte de balcon, à la limite. Pour accéder. Donc. On va partir de là. Et là, on va faire un truc assez bizarre. Mais je fais ce qui est... Je rappelle... je rappelle que voilà, ça peut rendre moche au premier coup, parce que voire ça peut rester moche pour vous, mais je fais ce qui me vient à l'esprit, d'où la série ImagineCraft, c'est mon animation, donc ça peut être vraiment loufoque, vraiment con, donc c'est pas que je réfléchis pas, mais c'est que voilà, je laisse venir les choses, donc ça peut rendre bizarre, voire très bizarre. Tout dépend de la chose. Mais enfin. Mais enfin, donc une fois cela fait, je me demande, ça marche pas ça? Oh! Ah non, mais si elle perd ses clés aussi entre les trous. Les femmes sont pas spécialement douées, mais à prendre bien sûr au 20e degré. À part pour quelques-unes. Non, je rigole. La trappe. Ah putain, je suis baisé. Il me faut forcément un truc. Il me faut forcément un truc. Je vais mettre ça. Donc ça veut dire qu'ici j'ai cassé ici. Ça va faire... Quoique non, ça va pas faire spécialement bizarre. Ah mais comment je vais faire pour l'avant ? Bonne question. Comment vais-je faire pour l'avant? Est-ce que je peux tomber si je fais ça? Non, mais si je... Ouais, je peux sauter par-dessus, par contre. Donc, je vais mettre 2. Non, je vais pas mettre 2. Elle va pas être aussi conne pour sauter par-dessus le truc. À part sur les... Ici, où je vais mettre plusieurs. Par contre, c'est l'avant qui me pose réflexion. Ça, on va mettre comme ça. Et au pire, je laisse comme ça. Ouais, au pire, je laisserai à la fin un petit détail. Donc, mini balcon à la con. Ah, ça rime. C'est drôle. Oh. Non, enfin... un mini balcon, donc voilà, comme ça elle arrive, boum 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 boum, elle roule son petit cul, et puis voilà, elle peut observer la vue, on voit la neige à côté de la plaine, et non de la Garenne, et non de Trivaux, enfin, il n'y a que ceux qui habitent à côté de chez moi qui peuvent comprendre, et vu que cela m'étonnerait que des gens regardent, enfin, sauf exception, quelques-uns qui connaissent, voilà, qui connaissent où j'habite, comprendront. Mais bon, c'était une petite blague à la con. Oui, l'éclairage. L'éclairage. En fait, il faut surtout éclairer de haut. Voilà. Là, je laisse ici. Et puis voilà, donc... c'est vide quand même, ça, c'est vide. Je sais pas trop ce que je pourrais rajouter. Je suis sûr qu'après je me dirais ah merde t'es con, tu pouvais rajouter ça. J'ai rajouté ici un tableau. Ici ou ici? Waouh, waouh, tiens voilà. Tiens bah si je peux avoir les mêmes, mais ici ce serait parfait. Alors là c'est parti pour la guerre. Oh là là là. Mais j'y vis un grain. Ah bah voilà. Oh mais non, il est trop grand. Il est trop grand. Non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Non, il me dit... Eh. Si tu me dis que c'est la taille de la télé, je pète un câble. Descends, culé de ta... Putain. 1, 2, 3... Oh putain j'ai eu peur. Oh là là comment j'ai eu peur. Ah ouais la PS4 c'est vrai. Oh bref comment j'ai eu peur. Toi t'es moche. Mais putain j'avais même pas remarqué. Mais depuis en fait j'ai toujours un truc à la con. Voilà maintenant je suis beau et sexy et dur et viril. Putain il n'avait aucun pour me le dire quoi. Enfin donc ça je l'ai laissé ouvert. Même si elle a froid, bah, elle se réchauffera avec son mec ou sinon elle fera autre chose. Elle fermera la porte. Mais du coup... Bah, je vais mettre un truc long, je pense. Mais... Mais tu pues du cul, toi. Bon, vous savez quoi? Boum, voilà. Boum. Non, toi, t'es moche. Boum. Non, toi aussi, t'es moche. Oh, putain, et toi, t'es encore plus moche. Donc, j'ai y arrivé. Ça, c'est le genre de petits détails à la con qui me font... où je peux passer 5 heures dessus. Parce que ça me stresse. Voilà, toi, t'es beau. Enfin, t'es moche, mais bon, je t'accepte quand même. Comme tu es. Je sais, c'est bâtard, mais c'est pas grave. Ici, qu'est-ce que je peux rajouter? Ici, là, dans cet angle, Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah? I think I have maybe a idea. It's not a good language. I do, ta gueule. En gros, vous pouvez me le dire, je l'accepterai. Je l'avalerai, je l'accepterai. Donc ça, boum. Oh là là. Oh, comment il est trop fort, comment il gère. Petite forêt. Voilà, un petit peu de d'herbe. Enfin, pas de la marijuana, mais de l'herbe. Comme ça, elle dort à côté des feuilles. Blablabla. Non, ça c'est moche. Oh putain, toi aussi t'es moche. Je casse toujours des trucs à la con. Une perte de temps sans nom. Et puis voilà. Enfin, donc. Bah oui. Encore une perte de temps pour rien. On va rejoindre le tapis rouge, je pense. Au niveau... bah de ça. Au niveau de quoi? Au niveau de ça. Comme ça, si elle est aveugle, elle sait guider. Elle sait se guider plutôt. Elle saura se guider. Oh, la fatigue. Et puis voilà. Ici, bah si, je sais. Oh mais putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Désolé, je dis beaucoup de gros mots, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Tout simplement un coffre. Un coffre. Du coup, toi, tu me sers à rien. Toi aussi, ne pleure pas, mais toi, tu me sers à rien. Puis voilà, un coffre. Il y a un autre coffre ici. Puis voilà. Il y a un coffre ici. Non, tu le vois pas. Un autre coffre ici. Ouais, mais je peux plus l'ouvrir. Oh, putain, vous me faites chier. Puis voilà. Du coup, j'ai envie de laisser ici ouvert. Pour essayer de l'ouverture. Pour les pigeons qui veulent passer. Du coup, ce qui nous reste à faire, c'est la salle de bain avec les chiottes. Améliorer peut-être quelques 2-3 petits détails intérieurement. Et après on va passer à la déco extérieure. Et qu'est-ce que je veux dire par déco extérieure? Bah c'est rajouter un peu sur la maison extérieure des petites choses que vous verrez. Ou tout simplement bah vous verrez aussi ce que j'ai rajouté. Je préfère pas vous le dire, vous laissez la petite surprise. C'est des trucs tout cons mais c'est un peu... pas du terraforming mais faire voilà, rajouter des fleurs, des trucs tout ça, tout con. Et puis voilà. Sur ce je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8 si je ne me trompe pas. Alors oui en ce moment je sors pas d'épisode tous les mercredis parce que j'ai un peu la flemme et la fatigue. Avec les fêtes je travaille beaucoup en ce moment. Enfin je m'épuise beaucoup on va dire. Et avec les fêtes. Enfin voilà donc quand je peux me détendre autrement j'évite de... Je sors souvent pour me détendre, on va dire, je fais autre chose, et non de vidéo. Mais ne vous en faites pas, là, j'en refais, je pense à vous, je n'oublie pas la preuve. Logiquement, vous aurez cette vidéo le jeudi 18, donc le lendemain où je tourne, parce que je tourne le mercredi 17. En fait, je tourne le jour, aujourd'hui, vous le upload, je voulais le faire hier, mais j'étais vraiment fatigué, j'avais la flemme, pas le... C'est pas que j'avais pas le moral, mais pas l'envie, quoi, spécialement. Je voulais pas me forcer, même s'il y a des jours où je me force, mais là, je voulais pas me forcer. Donc, voilà. Donc, ne vous en faites pas, je ne vous oublie pas, pardon. La série continue, bien évidemment. Et puis, voilà, j'essaie juste ça. Ça me tente. Oh! Même si, peut-être qu'avant, je trouvais ça moche, je trouve ça beau. Alors, dites-moi si vous aimez comme ça, le sorte de dégradé. Pas de dégradé, mais de chute. Si vous aimez cette sorte de chute, c'est ça quand j'appelle déco extérieure, c'est aussi aménager, enfin améliorer des petits détails à la con. Non ça fait trop. Mais dites-moi ce que donc vous en pensez de cette sorte de chute. Enfin voilà, sur ce, pour finir, n'hésitez pas à voir ma page Facebook, me suivre. C'est là où je partage mes vidéos. Alors sur Facebook, je suis un peu moins actif, je suis même, enfin parce que voilà, vous n'êtes pas beaucoup à me suivre spécialement. Mais comment dire, vous pouvez toujours m'envoyer des messages, tout ça, et petit à petit, je posterai des petits trucs. Mais par contre, sur Twitter, je suis beaucoup plus actif. Enfin, je retweete plein de choses, souvent je dis des choses. Donc n'hésitez pas à me suivre, venez nombreux sur Twitter, parce que plus on est nombreux, plus je pourrais faire des choses, comme des petits concours à la con de temps en temps, une fois par mois peut-être. Enfin, ça dépend du nombre qu'on est, ça dépend aussi de ce que j'ai à vous proposer. Et bien sûr, pour finir, une fois pour toutes, parce que je sais que c'est chiant de m'entendre parler, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous ne me connaissez pas bien sûr, et n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo et lâcher le petit like à la fin. Allez, ciao tout le monde. Youhou. Attends, le chien, ouf. Attends, moi aussi je veux renifler ton cul. Non, je rigole, allez, ciao tout le monde.